Salut, salut! Aujourd'hui, on va parler tour à métaux. Et oui, mon métier, en fait, c'est usineur. Donc, dans mon atelier, il me fallait bien un petit tour à métaux. Rien que pour reprendre les forêts. Les mandrins de perceuse, ils vont jusqu'à 13. Là, j'ai un forêt de 15. Donc, je dresse un peu la queue à un diamètre de 13 et je peux mettre un gros forêt dans une perceuse. Rien que pour ça, c'est cool d'avoir un tour à métaux. Donc, c'est la marque Vévor qui m'a envoyé ça. Ils sont tombés sur ma vidéo Qui suis-je? Où j'explique que je suis usineur et ils ont vu que j'avais pas de tour à métaux, donc ils m'ont proposé de tester le modèle là. Donc c'est un tout petit tour d'établi, hein. C'est pas pour faire des grosses pièces ou des pièces pour l'aéronautique, hein. C'est comme là, reprendre un forêt, faire un petit bout d'axe, reprendre une rondelle. C'est vraiment pour le petit bricolage du dimanche, j'ai envie de dire. Niveau diamètre de pièce, on peut faire à peu près jusqu'à du 160 de diamètre. La longueur entre pointes, on est à peu près à du 320. Donc, dans le principe, il a tout d'un grand. Tu as un potentiomètre pour régler la vitesse de rotation. Tu peux tourner dans le sens là et dans l'autre sens, forcément. Et ce qu'il y a aussi, tu as une avance automatique sur le chariotage. Je te montre ça après. Donc, tu as la manivelle du chariotage. Manivelle dressage, là t'as le levier, donc le chariot il va avancer automatiquement. T'as la tourelle porte-outil où tu peux mettre, comme j'ai fait, deux outils. Donc j'ai vite fait d'inverser les outils, tu vois. S'il faut que je dresse, je mets l'outil là. Si je veux faire un chanfrein, je mets l'outil là. Donc j'ai toujours ces deux outils de montée dedans. Ça évidemment, ça s'oriente si tu veux faire des angles. Donc dans le principe, il a tout d'un grand niveau géométrie. Si tu fais un axe de 200 mm, tu auras peut-être quelques dixièmes de défaut. Hein. Niveau parallélisme, c'est pas un tour pour faire des pièces d'aéronautique, c'est pour à la maison. Voilà. N'emmenez pas vos pièces en métrologie, c'est vraiment pour dépanner. Comme dit, voilà, j'en suis satisfait pour les petits bricoles, mais je ne pourrais pas conseiller ça si vous voulez monter une entreprise d'usinage. Hein. Forcément, c'est pas du tout la même catégorie. Là, on est aux alentours de 600 €, il me semble. Si tu voudrais un tour vraiment professionnel de ce gabarit-là, c'est 3, 4, 5 000 euros, 3 000 euros. Donc voilà, on n'est pas à la même fourchette de prix. C'est comme je compare toujours les scies circulaires pour couper le bois. Moi, j'ai des festools, c'est 700 euros. Là, si tu prends une Parkside, tu as une scie circulaire pour 50 euros. C'est 12 fois moins cher, mais ça coupera le bois, mais pas de la même façon, pas avec la même qualité. C'est exactement pareil. Le gars chez lui qui veut couper une palette à la scie sauteuse, il n'a pas besoin de prendre une scie sauteuse Festool. Il prend une scie sauteuse Parkside ou une autre marque. Ça coupera sa palette, il n'y a pas de souci. Un menuisier, un ébéniste, un agenceur qui monte des cuisines, il va pas bosser avec du Parkside ou une entrée de gamme. Il va prendre du Festool, de Walt, forcément. Donc là, on est dans la même catégorie. C'est l'équivalent Parkside, pour être totalement transparent. Ça fait le boulot. Il n'y a pas de souci. Mais n'emmenez pas vos pièces en métrologie, mesurez avec des micromètres, il y aura des variations, forcément. Donc, quand je l'ai déballé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réglé les lardons pour commencer. Là, donc, les chariots, ils coulissent avec des queues d'aronde. Et avec des vis, tu pousses les lardons pour compenser le jeu. Donc, ça, c'est les réglages que j'ai fait, sortis de carton. À part ça, pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai fait quelques petites pièces pour m'entraîner. Je vais juste te montrer un peu les chariots, l'avance automatique et tout ça. Donc, pour la mise en route, bouton on-off, tout simplement. Voilà. Donc là, il tourne dans le sens là. Si là, j'inverse, il tourne dans l'autre sens. Et ici, tu as le potentiomètre. Donc il monte jusqu'à 2500 tours minute. Pour l'avance automatique, t'as un levier là derrière. Donc là, je vais le monter. Voilà. Et maintenant, quand je mets en route, tu peux voir que t'as la vis mère qui tourne ici. Donc c'est là que j'active le levier. Ça avance tout seul.
Donc là, on a vu, j'ai tourné comme ça, j'ai avancé dans le sens là. Si tu veux avancer dans l'autre sens, c'est possible aussi. Tu mets le levier là, vers le bas. Là, tu vois, il part dans l'autre sens. Quand je suis en position et je fais du dressage, je désactive la vanse automatique pour que la vis là, la vis mère, ne tourne pas. Et je bloque le chariot comme ça. Pour éviter qu'il vibre, tu vois. Donc, je me sers de ça pour le blocage et après, je fais mon dressage. Donc là, la manivelle, le chariot, il va dans le sens là. Là, la manivelle, on va dans le sens là. Et celle-là, tu vas me dire, on va dans le même sens que la grosse là. Donc oui, dans la position comme ça, oui. Mais tu vois là, un tour, j'avance énormément. Là, en faisant un tour, j'avance beaucoup moins. T'as les graduations sur les verniers à chaque fois. Là, t'as un vernier, là, un, mais là, t'en as pas. Donc, si tu veux avancer pile de 10 mm, tu utilises le vernier ici. Pour faire des gros chanfreins, des cônes, il faut orienter le chariot là. Je vais te montrer. Donc, on l'ouvre à fond. Maintenant, tu accèdes à deux vis. Tu les débloques. Et tu orientes ton chariot. Donc là, j'ai mis un angle au pif. J'oriente ma tourelle pour que l'outil soit bien positionné. Par exemple, comme ça. Donc voilà, tu vois, forcément, maintenant, il faudrait que je tourne du sens là. Et quand j'avance le chariot, ben, j'avance en biais. Je vais m'enlever. Donc là, je pourrais faire un cône. Tu vois, puisque j'avance en biais. Là, tu as la poupée mobile. Donc, tu la débloques. C'est si tu as une longue pièce, tu la mets d'abord dedans. Là, à la place de la pointe, tu mets un forêt. Tu fais un petit centrage au milieu de ton axe. Tu remets la pointe. Tu sors ton axe et tu la coinces entre pointes et tu serres. Au moins, l'axe derrière, il est maintenu là sur la pointe, tu vois. Ça évite que ça vibre. Donc ça, c'est pour les grandes longueurs. Ton axe, il sera tenu là par les mors et là par la pointe. Au début de vidéo, tu m'as vu changer les mâchoires. Donc en fait, là, j'ai les mâchoires. L'escalier, si tu veux, elles sont dans le sens là. Donc là, je peux prendre un axe. Je pourrais aussi éventuellement prendre un gros tube. Tu mets ton tube là. Et au lieu de serrer le mandrin pour serrer la pièce, bah, tu desserres. Donc, ton tube, les mâchoires vont s'écarter dans le tube et tu peux prendre un tube de par l'intérieur. Et là, les mors, ils sont inversés. Si je veux prendre des axes plus gros que ça, je mets les mors là. Donc, tu vois, l'escalier est dans l'autre sens. Donc, je peux serrer un axe là, là ou là. Donc, tu vois, je gagne en diamètre. Parce que là, le mors, il pourrait pas s'ouvrir jusqu'à du diamètre 50, par exemple. Donc, je mets les mâchoires là. Donc, du coup, c'est, regarde, ça prendrait l'axe comme là, je prends le mors, tu vois. Donc, tu gagnes en diamètre. Évidemment, les mors, ils ont des numéros 1, 2, 3. Faut toujours commencer par mettre le 1, puis le 2, puis le 3. Parce que sinon, tu seras pas centré. Là, je te ferai une vidéo dédiée pour le montage des mors. C'est une petite astuce, mais si tu le fais mal, ben, ton axe est déporté. Chaque mort a un numéro, il faut un jeu complet, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et les mettre dans l'ordre. Là, tu as les vis contre-écrou pour régler le jeu des lardons, que je t'ai dit, pour régler le jeu dans le chariot. Plus tu serres, moins tu as de jeu, mais plus ça ira dur ici. Faut essayer de trouver un bon compromis entre souplesse de déplacement et jeu fonctionnel. Et là, en dessous, t'as les vis pour l'autre chariot, pour le chariot là. C'est des glissières mécaniques à queue d'aronde, donc faut forcément laisser un jeu fonctionnel. Tu pourras jamais supprimer totalement le jeu. C'est, voilà, plus ou moins normal. Il faut un compromis entre souplesse et jeu fonctionnel. Voilà pour la partie 1 de la présentation du tour Vébor. Donc là, c'était juste une petite présentation. Tu m'as vu tourner un petit bout de forêt. Mais dans la vidéo qui suivra d'ici quelques semaines,
On va vraiment faire de l'usinage avec l'avance automatique, un axe entre pointes. On va également tester de faire un alésage dans un axe pour, par exemple, faire un épaulement et insérer un roulement. Donc, vraiment, je vais mettre une barre à aléser à la place des outils là. Donc, dans la prochaine vidéo, ça sera vraiment des copeaux. Pour l'instant, je me familiarise encore avec le tour. Je suis fraiseur, je suis pas vraiment tourneur, j'ai rarement bossé sur un tour, mais bon, ça ira. Pour les usineurs purs, hein, j'évite tout le jargon, vraiment, ça s'adresse au grand public. Je vais pas rentrer dans les détails avec du jargon compliqué, des mots compliqués, je reste vraiment simple. Ce que j'ai oublié de dire, il y a aussi la possibilité de, évidemment, modifier la vitesse d'avance. Ça se passe de côté avec un jeu de pignons. Et on peut éventuellement faire des filetages. Avec un outil à fileter, en mettant la bonne avance, on pourrait éventuellement faire des filetages. Ça, peut-être, on va tester, peut-être pas. Il faut d'abord que j'achète un outil à fileter. On verra ça. Allez, à plus. Ciao, ciao.